Comment ça va les gars? Aujourd'hui, petit jour de bilan. Donc là, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait le petit posing, ma petite routine vacuum. Donc au niveau des pauses, en fait ce que je fais, c'est que quand c'est le jour de bilan, simplement déjà je me pèse, je fais toutes les photos de chaque pose pour envoyer au coach. Et puis après, je continue à taffer mon posing, donc je fais 3 fois toute la routine, enfin 3 fois toutes les poses corrigées, je fais 3 tours. Donc voilà, donc vous avez vu les 4 quarts, donc face, dos, profil droit, profil gauche, double biceps de face, double biceps de dos, la spread de face, la spread de dos, post triceps, side chest et abdos cuisse. Et mos musculaire que je n'ai pas fait aujourd'hui, je viens de penser, merde, voilà. Souvent j'ai des petits oublis encore, faut que je taffe plus mon posing. C'est, on va pas se le cacher. Je pense que pour l'instant, voilà, mon vacuum et le posing, c'est ce que je taffe le moins. Mais là, je vais m'y mettre sérieusement. D'ailleurs, je suis en train de préparer ma routine aussi. Je m'y prends un peu tard. Bon, ça, je suis à 15 week-out, vous allez dire, mais idéalement, c'est mieux d'avoir sa routine déjà prête avant de démarrer la prépa. Au moins, pendant la prépa, t'as pas grand chose à gérer. Là, moi, faut que je gère ça. Alors que je commence à avoir moins d'énergie, c'est normal. Au niveau de là, actuellement, comment je me sens, je pense que niveau faim, ça va. C'est pas le pire, enfin franchement, ça va tranquille même. Je suis à 2500 calories, donc ça va. C'est plus, je dirais, par rapport au début, quand on était à 2008, 2007, 2006, je sentais pas la baisse de calories. Là, je commence à sentir une petite fatigue générale qui s'installe, une petite flemme de faire les trucs. Je sens que mon cerveau, il est plus à 100% déjà, tu vois. J'arrive, je vois des escaliers à monter, je fais, ah, des escaliers, tu vois, genre je veux m'économiser tout le temps. Ouais, c'est ça. En fait, toutes mes actions, elles sont dans un but d'essayer de m'économiser pour ma séance indirectement, et là du coup j'ai un peu la flemme de faire plein de trucs, mais bon, ça va, on reste focus, y a pas de soucis. Là aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est en day off lundi, donc déjà c'est le jour de bilan. Voilà ce que je le fais tout le lundi. Le week-end, je suis pas à mon appartement, du coup c'est pas idéal pour faire les photos. Ouais, du coup vu que c'est le day off, je dois faire cardio et abdos aujourd'hui à la salle, donc je pense que je vais manger un petit repas parce que je me sens pas d'aller le faire à jeun aujourd'hui. Je vais voilà, étant donné que pour l'instant je suis pas encore obligatoire de faire du cardio à jeun, c'est juste moi qui le faisais juste comme ça. Je me levais tôt, bah, j'aimais bien faire mon cardio avant de prendre mon petit déj. Là c'est 9h30, j'ai un petit peu faim et je sais que si j'avais eu que le cardio, moi ouais, j'y serais allé, mais cardio, abdos, je préfère avoir un petit truc dans le bide quand même, parce que sinon les abdos, je sais pas, je me sens pas. Du coup je vais manger mon petit pré-workout, mon pré-workout en day off, donc c'est pas vraiment le pré-workout comme d'hab. Et voilà les gars, pas plus, on va préparer ça, on va s'installer, on va manger et on va y aller tranquillement. Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo petit vlog day off. On envoie ça au coach, on va voir qu'est-ce qui va bouger, qu'est-ce qui va changer. J'espère que la diète elle va pas trop serrer encore. De toute façon c'est le jeu, hein. Il faudrait, mais personnellement, plus tard la diète se serre mieux ça me va. Et plus le cardio monte, ça me va. Je préfère faire du cardio que comme on lève du riz dans l'assiette, enfin normal. D'ailleurs, là au niveau de la condition, je suis content de la tournure que ça prend parce que je vois que ça évolue bien de semaine en semaine. Mais bon, je suis encore très gras, je trouve. Là, je suis à 82,8 kg. Sachant qu'en bodybuilding lightweight, c'est moins de 75. Donc on a encore 7,8 kg minimum à perdre. Mais je pense qu'il en faudra plus pour être vraiment conditionné. Parce que là, je suis vraiment encore trop fat pour espérer quoi que ce soit de correct. On va faire le taf et on va continuer à pousser la condition au maximum. En tous les cas, voilà, c'est que le début. On est à 15 week-out, 14 vers là, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est tranquille. Ça passe à une allure d'ailleurs, les week-out. Je me rends pas compte. J'ai l'impression que j'ai commencé la prépa il y a quoi
il y a 2-3 semaines, alors que ça fait déjà 6 semaines, ça va super vite en fait. Mais du coup, c'est cool. Du coup, je subis pas vraiment le régime pour l'instant. Niveau craving, niveau envie de cheat, bon, non, c'est normal, tranquille. Niveau sommeil, par contre, il commence à se dégrader légèrement. Pendant la prise de masse, je buvais déjà 5 litres d'eau par jour, mais mon corps ne se réveillait pas pour pisser. Là, je sens que déjà, minimum 2 fois dans la nuit, ça va aller pisser, ça va pisser. Ça me casse un peu les couilles. Faut que vraiment j'arrive à garder un gros sommeil. Genre. Et le matin aussi, j'ai envie de me lever tôt. Je crois que j'ai un petit peu faim. Je crois que c'est ça qui me réveille. Alors qu'avant, pas du tout. Avant, je pouvais me lever tard, sans souci. Si j'avais le temps, je me disais, ah bah vas-y, 30 minutes en plus, 30 minutes en plus, je les prenais. Là, je regarde mon tel, je vois que c'est 8h, je suis allé debout. On prend pas la tête. Il y a plus de grasse mat. Il y a plus de grasse mat. Bon, allez, sur ce, les gars, je vais préparer le repas 1 et on va grailler ça. Puis, au niveau cardio. Du coup, on est bien rentré du cardio, on a fait les abdos, j'ai mangé mon repas du midi. Du coup, là, je vous reprends vite fait un petit peu. Voilà, j'ai pas trop pu filmer le cardio, les abdos finalement, mais vous avez vu un petit peu du coup le physique à froid, du coup, nos pumps à la salle. Au moins, on voit ce que ça donne un petit peu. Là, dans les prochains jours, je vais vraiment essayer de un petit peu plus vous vlogger comme ça, des petites vidéos. Vraiment juste pendant la prépa, comment ça se passe là pour l'instant. Bah comme je vous l'ai dit, voilà, avant franchement pour l'instant c'est pas dur encore, on est vraiment dans le facile, donc c'est cool, ça prend son temps. Par contre ça passe à une vitesse, genre là on a déjà 15 week-outs, ça je m'en rends pas compte, ça va vraiment vite, ça fait déjà 6 semaines qu'on est en prépa, c'est une dinguerie. Je suis quand même content en vrai de le travail qui a été fait en 5 semaines. Le truc c'est qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, enfin de fat à perdre plutôt. On va, disons les choses telles qu'elles sont. Et voilà, je vais aller prendre mon petit ashwagandha, ma petite créatine, ma petite carnitine. Sur ce, les gars, je vous laisse là. D'ailleurs, avant toute chose, les gars, avant que la vidéo s'arrête ici, vous allez gentiment déjà vous abonner, mettre un petit commentaire, voilà, si ça vous dérange pas, un petit like, c'est carré. Et si jamais vous avez besoin d'un suivi, d'un coaching, donc vraiment que je vous fasse un plan alimentaire, une vidéo personnalisée de moi chaque semaine et un appel à peu près une fois par mois, et qu'on se cale un petit appel même pour en discuter, que je vous présente exactement le détail du suivi, que vous décidez de préparer une compétition en 2025, d'entamer une transformation physique de malade, une sèche, une prise de masse, peu importe, on se fait un petit appel, on se cale, on discute, on voit ce qu'on fait, enfin bref, vous verrez tout ça. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit DM sur Insta, on s'appelle. Et on avise. Sur ce, les gars, je vous laisse une très bonne journée. Allez, sur ce, ciao, ciao. Bisous.